Depuis le 3 août dernier, Marouane Bérény n'a plus donné de nouvelles. Alors que les rumeurs vont bon train, Nathalie Marquet avait pris la parole pour dévoiler un échange inquiétant. Mais Rebecca Hampton n'a pas du tout aimé la façon de faire de l'ancienne Miss. La disparition de Marouane Bérény réveille de vieilles rancœurs. Depuis le 3 août dernier, l'acteur cesse de volatiliser après un accident de voiture présumé à Mâcon. Depuis, plus aucun de ses proches n'a de nouvelles. Ni ses parents. Alors que les rumeurs vont bon train, plusieurs amis se sont exprimés dans les médias. Notamment Nathalie Marquet sur le plateau de Touche pas à mon poste. Lorsqu'elle a passé des vacances avec Marouane Bérény, il lui aurait tenu des propos inquiétants. Moi, si un jour je renverse quelqu'un, je me foutrai en l'air. Je ne le supporterai pas et je ne veux pas avoir ça sur ma conscience, lui aurait-il dit. Il aurait également fait un parallèle avec l'affaire Pierre Palmade. Je lui ai dit, mais comment tu peux dire ça, après ça dépend des circonstances. Si tu as été alcoolique, si tu avais pris de la drogue avant, et je ne pense pas que c'est ton cas, confiait-elle. Moi, je ne l'ai pas vu se droguer auprès de moi ni picoler. Des propos très angoissants qui n'ont pas vraiment plu à tout le monde. Invité sur le plateau de chez Jordan Deluxe ce jeudi 5 octobre, Rebecca Hampton a répondu à Nathalie Marquet. Franchement Nathalie, tu sais ô combien je t'aime beaucoup mais je ne veux même pas entendre ce genre de truc. Parce que tout le monde peut y aller dans ce cas-là, tout le monde peut dire, j'ai un tel qui m'a dit ça, ça et ça. Donc sur ce coup-là, et même si j'aime beaucoup Nathalie, je ne trouve pas ça très correct d'aller raconter des trucs. On n'en sait rien, a-t-elle regretté. Inquiète pour Marouane Bérény, comme tous les ex-acteurs de Plus belle la vie, elle espère avoir rapidement des nouvelles. On ne sait pas, il n'y a que des suppositions. Et par égard pour sa famille d'ailleurs je n'en parlerai pas puisqu'on ne sait pas, a ajouté Rebecca Hampton. Comme on ne sait pas, qu'on sait que ses parents sont dans la peine, que tout le monde se pose des questions sur la disparition de Marouane, je pense que ce n'est pas la peine d'en parler. Marouane Bérény, le cri du cœur de ses parents plus de deux mois après la disparition de Marouane Bérény, ses parents ont publié une lettre bouleversante. Marouane, si tu penses que tu as besoin d'aide pour chasser ce nuage sombre qui plane au-dessus de toi et te fait ressentir tristesse et désespoir. Pour que tout aille mieux demain. Marouane, notre fils, affronte tes peurs, ont-ils écrit dans les colonnes de Libération. Tu as le droit de pleurer, mais reprends ton chemin, crois en toi, crois en tes rêves, même ceux que tu ne prononces pas. Murmure les mots qui réconfortent. Tu les connais, fais-toi confiance. Sache que toutes les tempêtes ne viennent pas forcément gâcher notre vie. Ajoutait-il. Tu es unique, tu es formidable, on aime ton rire, on aime ton sourire. Marouane, simplement, nous t'aimons, et croyons en toi. Reviens. On a besoin de toi. Une enquête a été ouverte pour disparition inquiétante afin de retrouver Marouane Bérény. Just me.